Amon Chic, la coche caviar, la coche champagne, la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, Papouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends, avec elle, tu es sur terre, tu ne palanes pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est un génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Il a framponné pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oh, oh, Cathy Catherine Nassissé, merci pour les étoiles. Vous voyez les choses comme ça. Mes caviar même sont en train de m'envoyer les étoiles. Sont en train de m'envoyer les étoiles. Qui est en train de m'écrire? Je suis en direct, tu m'écris, ma chérie, s'il te plaît. À ce moment où je suis là, là, c'est mon direct qui m'intéresse. Oh, oui. Toi, tu insistes comme ça. J'espère que ton histoire est intéressante. Hein? Allô? Oui, ça vous pose une question. Ah, ma chérie, parce que franchement, je commence mon direct. Une voix aussi, aussi mince, ça ne va pas le faire. Il faut ouvrir ton gosier et puis tu parles fort. Tu dis quoi? C'est pour poser une question. Oui, ma chérie, tu as mis tuyau dans ta gorge. Oui, parle, ma chérie, parle. Ok, coach, vous êtes belle aujourd'hui. C'est vrai, malgré que... Oui, malgré que je l'ai fossile au Cambolex, je suis belle quand même, c'est pas grave, oui. Vous êtes quand même belle. Je vous apprécie beaucoup, ça fait 2 ans que je vous suis. Ok, ma chérie, oui, ma chérie, merci pour les compliments, anyway. S'il te plaît, on passe, tu veux poser question, laisse les compliments, pose-moi la question, s'il te plaît. Ma coach, je sors avec un monsieur. Ma chérie, s'il te plaît, là tu as ralenti, ça ne m'arrange pas. Ouvre ton gosier, un peu d'énergie, s'il te plaît. Tu as le premier appel. Il ne faut pas endormir l'émission. Ok, donc j'ai dit, je sors avec un monsieur. Oui. Le monsieur ne vit pas avec moi, on n'est pas dans le même pays. Oui. Mais maintenant, récemment, quand moi je suis rentrée au pays, oui. J'ai eu des échos sur mon monsieur. C'est... On m'a dit que le monsieur, il vit avec une autre femme. Mais maintenant, le monsieur lui-même, oui. Depuis là, il ne m'a jamais parlé de ça. Oui. Donc souvent, je bosse et je ne lui pose pas la question, mais je fais semblant. Oui. Mais c'est une de ces heures qui m'a attiré l'attention. C'est une de ces tantes qui m'a dit, ah, il semblerait que le monsieur, il vit là-bas avec une autre femme. Oui. Il est où? Il est en Europe? Allô? Est-ce qu'il est où, le tonton chéri, là? Il est où? Il est en Europe? Ok, donc ça veut dire que, je vais récapituler parce que ta voix même, ça veut dire que même, ça veut dire, le fil même n'est pas aussi fin. Donc ça veut dire que toi, tu es en Afrique et tu sors avec ton chéri qui vit en Europe. Maintenant, ça veut dire que tu as eu les échos comme quoi il vit avec une femme là-bas en Europe. Exactement. Ok, maintenant c'est quoi toi, ta question c'est quoi? Moi, depuis longtemps, je ne sais pas, et je veux lui poser la question, je ne sais même pas comment procéder. Et puis, à chaque fois quand le monsieur m'appelle, il me dit qu'il ne vit pas avec quelqu'un, il dit qu'il est engagé, il va venir, on va voir. Ma chérie, mets un peu de giga dans ton téléphone et tu rappelles. Bon, de toute façon, on a compris un peu la question. Ça veut dire qu'elle vit ici en Afrique et puis elle sort avec un gars qui est en Europe. Le gars lui a dit qu'il est célibataire et ils sont venus lui dire que le gars est marié. Ça veut dire qu'il vit avec une femme en Europe. Donc, ça veut dire que tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire, ma chérie. Tu vas faire quoi? Les Bengis, là, c'est comme ça, ils sont. Les Bengis, là, ma chérie, ça n'a pas la peine de rappeler. Je vais te répondre. Je vais te répondre ici. C'est ta voix même, le fil même n'est pas aussi fin. Donc, ma chérie... Ton chéri, il vit avec une femme là-bas. Ça, là, c'est le quotidien des Bengis. Parce que les Bengis, même là, quand ils viennent en Afrique, ils disent qu'ils sont célibataires. En fait, ils ont leur femme là-bas. Donc, ma chérie, c'est une histoire qui est comme ça. Toi-même, il faut prendre comme ça. Si ça t'arrange, tu restes avec. Si ça ne t'arrange pas, tu te trouves un petit caillou. Ben, tous les Bengis, en tout cas, sur 100 Bengis, 70 ou même 75 même sont déjà occupés. Ils ont déjà leur femme en Afrique, hein, en Europe. Mais quand ils viennent ici, là, ils disent qu'ils sont célibataires. C'est des VIO. Celle-là. Oh. Allô? Oui, allô, ma coach? Alors là, il faut ouvrir le gosier, sinon je prends un autre appel. Je n'ai pas envie de m'endormir. Ma coach, bonjour, ma coach, ma KLMP. Oui. Ma caviar, enfin, je t'écoute ta voix. En tout cas, je suis contente. Oui, ma chérie, anyway, faut speeder. Oui.
Ok, ma coach, j'ai un souci. Je t'ai écrit, j'ai appelé l'assistant, votre assistante en vain, tout et tout. J'ai déjà payé mon droit de coaching, mais jusqu'alors, vous ne m'avez pas encore répondu. Mais je patiente toujours. Mais je voulais poser ma question. Mais ma chérie, tu as déjà payé. Donc, si tu poses ta question là, est-ce que tu vas demander remboursement ou même c'est pas grave? Vous voulez rembourser Non, d'accord. non, non, je veux, non, non, ma chérie, je ne veux pas remboursement. Mais je dis, comme tu as déjà pris séance de coaching. Remboursement, ma coach. Le coaching, je vais aussi faire. Mais pour le moment, la coach, il faut que j'écoute ta voix parce que tu es toute ma vie. Oh. Tu es toute ma vie, ma coach. J'ai besoin d'écouter ta voix pour me sentir bien. D'accord. Donc, ça veut dire que malgré que tu as posé question là, c'est que tu as déjà payé là. Ça reste comme ça, hein. Tu n'as pas dit que Non, comme je coach fais m'a juste mon répondu, coaching. tu n'as pas dit que comme coach m'a Je répondu, fais. je veux qu'on me rembourse. Moi, je ne rembourse pas. Non, non, jamais. Non, ma coach, je ne peux pas vous faire ça. Ah. Je ne peux pas vous faire ça. Oui, ma Je sais que chérie. vous allez me prendre en coaching plus tard, mais au moins je voulais d'abord poser question en fait. Faut poser, ma chérie. Tu peux même poser 10 questions où tu es là, tu en as le droit. Faut parler, ma chérie, parle. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ma coach. Il Oui. s'agit de mon gars, on vit ensemble depuis 3 ans. Et on a eu un petit souci récemment, un problème où il était vraiment, vraiment fâché contre moi parce que j'ai su qu'il sort avec une autre femme et il lui a payé une voiture, tout et tout, comme le gars est fructueux. Oui. J'ai appris ça, je lui ai juste posé la question tout doucement, mais il a fait de ça un problème à un niveau où je ne comprends pas. Et maintenant, comme j'ai décidé de garder mon silence, rester dans mon coin, lui aussi, il a gardé son silence. Et voilà, 2 jours là, je le vois sur les réseaux sociaux, il sort avec ma meilleure amie, coach. Hein? Ma meilleure amie, ma meilleure amie, celle avec qui on a commencé le lycée ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc, la fille est maintenant avec mon homme. Ce matin même, en allant au travail, je l'ai vue dans la voiture de mon gars. C'est le chauffeur qui partait la déposer. Comme j'ai ma voiture, je partais et je l'ai vue. C'est moi. C'est le chauffeur qui partait la déposer chez elle. Donc, elle dort chez mon homme. Hein? Donc ça veut dire qu'elle a dormi chez ton gars. Elle a dormi chez mon gars. Elle est avec mon gars actuellement. Je ne sais plus quoi faire quand je souffre. Donc ça veut dire que ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Ça veut dire que ma chérie, quand tu as appris que ton chéri sort avec une femme là, donc c'était ta meilleure amie. C'était pas ma meilleure amie. C'était une autre femme. Cette histoire a commencé. C'était une autre femme. C'était une autre femme dont j'avais su cette histoire et je Oui. lui ai demandé. Au lieu qu'on parle, il a fait de ça toute une histoire. Oui. Et maintenant, comme je suis souvent vos vidéos, vous dites que vous laissez de garder le silence, de faire le silence radio quand les choses ne vont pas bien pour que chacun puisse réfléchir de son côté, tout et tout. Oui, Donc, oui. c'est ce que j'ai fait. Mais je constate que mon sort maintenant avec ma meilleure amie, il invite la famille de la fille chez lui, il fait des fêtes, il organise une fête à son honneur là-bas, ils sont ensemble, tout et tout et tout. Il m'a rabaissé de la pire des manières pour voir comment il m'a parlé. Qu'il ne veut plus, patati. Il ne fait que souligner mes défauts, que j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Il ne veut plus, que j'ai refusé de lui faire un enfant. J'ai dit non, c'est pas ça. C'est pas ça, il faut vraiment. Je sais plus quoi faire, coach. Mais ta meilleure amie là, c'est ta meilleure amie comment ça? C'est ta meilleure, c'est toi qui es, elle est ta meilleure amie, mais toi tu n'es pas sa meilleure amie à supposer. Mais je dis, parle-moi un peu de ta meilleure amie là. Parle-moi un peu de ta meilleure amie. Ces derniers temps-là, comment vos rapports étaient? Ma copine, la coach, c'est une fille. On a commencé au lycée ensemble. On s'aimait tellement qu'un jour, moi j'ai eu mon bac, je suis partie, elle a raté le bac. Mais malgré tout, on était toujours liés, tout et tout. Un temps, j'étais avec mon ex, j'avais un gars, c'était mon ex. Et quand j'ai connu maintenant. J'étais avec mon ex, mon gars actuel là, il m'a dragué. C'était en 2016. Comme il m'a dragué, je lui ai dit, je suis déjà avec quelqu'un, je ne peux pas sortir avec toi. Ma copine, elle était dans des relations bizarres, tout et tout. Je lui ai dit, moi, je suis déjà avec quelqu'un, je ne peux pas sortir avec toi. Je ne peux pas faire du mal à la personne que j'ai, tout et tout, puisqu'il me traite bien et puis il me fait tout, tout et tout, tout ça. Le gars a insisté, a persisté, j'ai refusé. Je lui ai dit, je vais te présenter une fille. Et c'est comme ça que je lui ai présenté ma copine. Ils sont allés, ça n'a pas marché. Donc, si je comprends bien, attends, ma chérie, attends, ma chérie, gang, 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 mais ton histoire au Cambodge digne d'un film d'affairage. Donc, on n'y va pas à pas parce que nous, les affairés, c'est-à-dire que nous, les caviar, on est tellement affairés que même on peut faire spécial
ton émission même jusqu'à la fin, ça ne nous dérange pas. Donc, ça veut dire que ta meilleure amie, ta soi-disant meilleure amie, tu lui as passé ton ex. Parce que quand tu as laissé ton ex, tu as dit à ta meilleure amie de sortir avec ton ex. Non, c'est pas ça. J'étais avec mon ex. C'est-à-dire, j'étais avec mon copain, mon ex-copain. On était ensemble. Oui. Ma chérie, il faut grossir un peu ta voix. Même si tu as déjà payé, mais grossir un peu ta voix. Il y a un gars qui est venu me draguer. Oui. Le gars m'a dragué. Je dis au gars que je ne pouvais pas sortir avec lui parce que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Oui. C'est comme ça que j'ai présenté ma copine à ce gars. Le gars a refusé ma copine, a dit Niette, c'est moi qui veux. J'ai dit, moi, je suis déjà avec quelqu'un. Après, là, je lui ai encore présenté une autre fille. Il a refusé, il dit toujours que c'est moi qui veux. J'ai refusé. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas tromper mon gars, tout et tout. Et j'ai laissé cette histoire. On ne s'est plus revus, tout et tout. 3 ans plus tard, quand mon gars et moi, on s'est séparés, j'ai connu un nouveau gars. C'était lui, ce mec-là. On s'est croisés. Nos destins sont... Donc, ça... attends, ma chérie, attends, ma chérie. L'histoire devient très intéressante. Donc, ça veut dire que... Ton gars avec qui tu étais, c'est-à-dire celui aujourd'hui qui sort avec ta meilleure amie, c'est ce gars qui te draguait quand tu étais avec ton ex. Et tu lui as dit de sortir avec ta meilleure amie. Écoute ma chérie, tu lui as dit de sortir avec ta meilleure amie. Les deux se sont fréquentés, mais ça n'a pas marché. Et maintenant toi, tu as rompu avec ton ex. Maintenant tu as commencé à sortir avec le gars à qui tu avais donné ta meilleure amie. Oui. Et aujourd'hui, c'est le gars là maintenant avec qui tu es. Oui, mais ma chérie, même si c'est des... Ma chérie, les années, ça compte pas. Je t'ai dit que c'est juste savoir si c'est le même gars, ma chérie. Donc, des années plus tard... C'est le même gars, ma coach. On s'est croisés, on est sortis ensemble. Il m'a présenté, je suis sa femme. Je suis devenue sa femme. On attendait d'autres et tout pour qu'on puisse être ensemble. Mais voilà, le problème est venu. Maintenant, il se retrouve avec ma meilleure amie, cette fille dont il a refusé, il ne voulait pas, mais c'était moi qui voulais. Je ne comprends plus rien. Oh, ma chérie, tu as creusé toi-même ta propre tombe. Vous dites, ma coach? Ma chérie, tu sais, tu as déjà payé, mais prête attention quand je parle. J'ai dit que c'est toi-même qui as créé ta propre tombe. Parce que je vais te dire une chose. Ta meilleure amie et toi, vous avez un vice, vous deux là. Ta meilleure amie avec toi et toi, vous avez un vice. Ça veut dire que vous passez les gars. Tu comprends un peu le truc? Non. Si? Non, on n'a jamais fait ça. Aïe. Non, mais celui avec qui tu as aujourd'hui là, c'est pas lui tu lui as passé ta copine? Ils sont pas sortis ensemble. Mais ils ont flirté. Ils ont flirté, ma chérie. Ils n'ont pas flirté, ma coach. Le gars a refusé la fille. Il disait que c'était moi qu'il voulait. Ils n'ont pas... Ok, donc ça veut dire que quand tu as dit à ton gars, faut sortir avec ma copine, il a dit non, elle ne me plaît pas, c'est toi qui m'intéresse. Et aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes ensemble, vous allez vous marier bientôt, et il te trompe maintenant, avec, il t'a laissé maintenant pour être avec ta meilleure amie. Ce matin, tu as vu ta meilleure amie dans la voiture. Oui, ma coach. Ah, ma chérie, franchement, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est très grave. Mais c'est toi qui as ouvert la porte au vice. C'est toi qui as ouvert la porte au vice. C'est-à-dire que tu as montré à ta copine que vous pouvez mougou le même gars. Tu as montré à ta copine que vous pouvez gérer le même gars. Et puis le gars même, tu lui as montré que lui, il peut coucher avec tes copines. C'est ce que tu as montré au gars. C'est-à-dire que quand un gars te drague, même si le gars ne te plaît pas, comment, c'est pas la peine de passer le gars à ta copine. Faut pas mettre ça entre ta copine et toi. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer là, c'est toi-même qui as commencé. C'est toi-même qui as commencé l'histoire, ma chérie. Mais ça nécessite vraiment, tu as bien fait de prendre la séance parce que ça nécessite vraiment une séance de quelques minutes. Parce que là, c'est trop grave ce que tu as fait. Parce que là, maintenant, ce qui est en train de se passer, mais lui, maintenant, là, ça veut dire que vous deux, là, comment ça se passe? Est-ce que tu, quand tu l'appelles ou même quand il t'appelle, ou bien vous ne vous parlez plus carrément? Non, on a eu à se parler, à s'expliquer, tout et tout. Maintenant, il revient, il demande à ce que il a commencé à s'occuper encore de moi de nouveau, c'est-à-dire
ma voiture a des problèmes, tout, il a réparé les problèmes, tout, mais je comprends pas. C'est que. Donc, ça veut dire que vous avez repris. Tout. Je sais pas si je dois continuer ou arrêter. Ça veut dire que vous êtes toujours ensemble. Sauf que là, maintenant, ils sont avec ta copine. Oui, ma coach. Maintenant, toi, tu veux arrêter ou bien tu veux savoir si tu dois arrêter ou continuer avec lui. Oui, continuer, oui. Bon, ma chérie, ça, il faut que toi et moi, il faut que toi et moi on parle. Il faut que toi et moi on parle sérieusement. C'était moi qui t'avais appelé ce matin. Tu m'as dit arrête de m'harceler, tout ça là. Ah, ma chérie, mais ma chérie. Mais ma chérie, ma chérie. Oui, ma chérie, de toute façon, tu m'as appelé matin. Là, si on peut appeler quelqu'un comme ça. Donc, je me suis sentie harcelée. Je te demande pardon. Non, c'est pas grave. Parce que j'avais mal. Oui. Je me disais qu'en faisant comme ça, peut-être tu allais peut-être m'écouter. Non, c'est en faisant comme ça, là même, je risque de te bloquer. J'ai envoyé au nom qu'il a dit. Tu as envoyé l'argent là comment? Par Western Union. Ah, c'est elle qui a fait Western Union le matin là. Ah, c'est toi qui as fait Western Union le matin là. Oui. D'accord, ma chérie. D'accord, ma chérie. Ok, ma chérie. Bon, écoute, ça, c'est une histoire que toi et moi, on va parler. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Là, maintenant, c'est dit que le gars, tu m'as dit que le gars, c'est un gars qui est bien. C'est un gars qui est bien. Il est fructueux. Ok. Tu m'as dit qu'il est bien, il est fructueux, il te traite bien. Et puis, là, maintenant, ils sont avec ta copine, mais il est toujours avec toi. Il s'occupe toujours de toi. Là, maintenant, c'est dit que toi et moi, on va adopter un autre plan. Hein? Voilà, le plan de guerre. Le plan de guerre. Voilà, toi, moi, tout à l'heure, bon, pas tout à l'heure, peut-être parce que là, j'ai mon événement, donc c'est pas sûr que je te prenne. Mais en tout cas, aujourd'hui, demain, il faut que je te prenne. On va tomber sur le plan B, parce que ça, c'est le plan de guerre. Le plan G, le plan de guerre. Là, maintenant, on va aller en guerre, ma chérie. Tu vas porter ton treillis, je vais porter mon treillis. Oui, tu vas porter, oui. Oui, maman. Tu m'aimes plus que mes parents. Tes parents. Oui. Tu m'aimes plus que tes parents. Mes parents même ont dit ça. Hein. Ils ont dit que tu aimes trop cette dame-là. Tu la suis trop. Tu es toujours derrière cette dame. Qu'est-ce qui te fait? Pourquoi tu es toujours derrière? Ah, celle-là, elle m'a sauvé la vie. Oui. Elle m'a sauvé la vie. Ok, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Le témoignage, anyway. La prochaine fois, tu vas faire ça. Donc, ce que je t'ai dit. Toi et moi, tout à l'heure, je vais te donner rendez-vous pour demain parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, ce soir, j'ai ma conférence du côté de Douala, voilà, à la salle Safi. Donc, je n'aurai peut-être pas le temps de te prendre parce que je suis concentré sur ma conférence de ce soir. Mais en tout cas, demain, je risque de te prendre ou bien très tard la nuit, je ne sais pas, je vais voir, je te dirai. Et on va aller en guerre. Tu vas porter ton treillis, je vais porter mon treillis. Parce que cette fille, si elle pense que... Parce que ta copine, ta meilleure amie, elle t'a toujours envié. Tu comprends un peu le truc? Elle t'a toujours envié parce que toi, tu es intelligente. Parce que toi, tu as eu le bac. Elle n'a pas eu son bac. Parce que toi, à chaque fois que les hommes sont là, c'est de toi on veut. Elle, on veut jamais d'elle. Donc, c'est-à-dire qu'elle a une rivalité en elle. Elle t'envie. Elle est jalouse de toi. C'est pour ça qu'elle est venue sur ton terrain. Parce qu'elle sait que c'est un bon terrain. Elle est arrivée sur un champ où il y a beaucoup... La terre est fertile. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma... Elle pense qu'elle va s'accaparer cette terre. Elle a menti. Cette terre ne va pas s'accaparer. Pour le moment, c'est une location qu'elle a fait. Mais toi et moi, le plan de guerre qu'on va, on va mettre en place, cette fille, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Je crois que c'est elle-même qui va m'appeler parce qu'elle sera dans un gourmet. Je vais quand même la prendre, ma chérie, pour m'excuser. Moi, je cherche mon lent. Mais en tout cas, ma chérie, anyway, on se gère tout à l'heure. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma chérie. Oh oui. Non, mais ça, c'est une histoire, au Cambodge, digne d'un film. Digne d'un film. Un film de guerre. Mais un film de guerre. Mais ça dit que cette fille, mais on va l'injecter de cela. Elle va venir sur le terrain de moi, ma caviar, prendre le gars de ma caviar. Tu as quitté où, ma chérie? Tu connais pas les caviar encore? On va s'occuper de toi tout à l'heure. Allô? Allô, ma coach? Oui. Je vais te poser une question. Oui. Allô, ma coach? Je sors avec un whitey, ça fait 2 mois là, mais franchement, pour un whitey, c'est trop quoi. Comment ça?
chaque jour, on fait l'amour, chaque jour, et puis là, un gros truc, là, franchement, c'est trop, parce que je suis déchirée même. Vraiment, il y a des filles, mais elles pensent que c'est Tintin, ou bien c'est dessin animé, on est en train de faire. Bon, donc toi, maintenant, tu m'appelles, tu dis tu sois avec un Whitey, que le Whitey, là, tous les jours, vous mougoussez, et puis il a Anaconda. Bon, maintenant, tu m'appelles là. Ta question, c'est quoi? Ma question, c'est de vouloir savoir comment vous pouvez parler, vous dire on arrête un peu, quoi, parce que je ne sais pas comment refuser ça. Tu sais, ma chérie, je suis conseillère, mais j'ai mes limites dans les conseils. Hein. Toi-même, tu es dans quelque chose, si tu sais que la chose ne te plaît pas, faut quitter dedans, faut partir. Si tu penses que parce que tous les jours vous mougoussez, qu'il a un anaconda, que tu es très déchiré parce que tellement que tu es fragile. Mais faut laisser le gars. Ah, c'est ça là, on a besoin de conseils pour ça, ma chérie. Ou bien tu es nostalgique de ces mouvements. Oui, je l'aime. Tu l'aimes? Oui. Mais tu l'aimes là, pourquoi ça te dérange alors? Non, mais je sais pas, c'est trop quoi. Qu'est-ce qu'il y a trop? Et puis, elle parle même, on sent que c'est une petite fille, même qu'on peut mougou de 7h jusqu'à 22h, dis pas non. Non, ma coach, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est quoi? Moi, on m'a dit, bon, c'est ma première fois de sortir avec un whitey. On m'a dit que les whitey, c'est pas tous les jours, quoi. Mais lui, là, je comprends, c'est un whitey dans la peau d'un Africain, quoi. Regarde, pardon, où je suis là, là? Où je suis là, là? Pardon. Je suis en train de faire mon émission, faut pas venir. Parce que toi, la petite fille que je vois ton profil. De toute façon, tu es claire, là. Tu es très vicieuse. Donc, ça veut dire que tu dis, je vais appeler la femme, là. Il a parlé de mon gars, et puis ça va m'exciter. On va aller framponner. Donc, s'il te plaît, ton film porno, tu as envie de tourner à midi, là. Faut me laisser, hein. Ma coach, non. Non quoi? Non quoi? Tu aimes ça, tu fais ce genre, tu n'aimes pas. Toi, tu as dit que tu n'aimes pas ça. Pardon. Oh. Déjà même, je vois que tu as appelé de la Côte d'Ivoire là. Est-ce que tu as pris ton billet pour la conférence du 11 juin? Non, ma coach, là, je suis encore là. Je suis venue pour une semaine. Là. Il m'a fait venir pour une semaine. Là. Donc, je suis là. Tu es là où? Je suis en France ici. Oui, mais tu es en France, tu es là pour une semaine là. Le temps, tu vas partir là. Il ne sera pas encore le 11. Donc, il faut que tu prennes ton billet pour le 11, l'événement du 11 juin. Tu as compris? Oui, je serai là le 11 juin, je serai à Abidjan. D'accord. Ok, au revoir ma chérie. Pardon, ton histoire là, même pas, mais c'est que... Bisous. Oui. Oh, elle est vicieuse. Les petites filles là, je les connais, les petites caviales, elles sont vicieuses. Elles ont envie de s'exciter. Oui! C'est pour poser question, Côte. Parle ma chérie, parle. J'ai un problème. Ma chérie, pardon, faut ouvrir ton gosier. Sinon, ça ne va pas le faire. Je vais prendre un autre appel. Ouvre ton gosier. Cause, j'ai un problème sérieux. Moi, je sors avec des hommes. Oui. Mais l'homme que j'aime là, il me fait fatiguer, coach. Oui. L'autre là, on vit avec lui, tout sur lui. Mais le problème en est que tout le temps, il pose des choses comme... j'ai une femme, oui, je ne peux pas poster ma copine parce que le livre national n'a pas de clips. Tout le temps, il dit qu'il part quelque part. Je lui dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Il dit que non, j'ai des programmes comme ça, des problèmes de business. Je ne peux pas te dire. Mais moi, je ne me sens pas rassurée dans ça. Et l'autre, là, il me rassure, mais moi, je ne l'aime pas. Je ne sais pas quoi faire. Bon, écoute, ton histoire de cambrelet digne d'un film de Coq-à-l'âne. Hein? Donc, ça veut dire que tu sois avec deux gars. Celui que tu aimes, là, il a foutaise. Maintenant, celui que tu n'aimes pas, là, lui, il est bien. Il veut te marier, c'est ça? Oui, mais quand j'ai posté c'est quelque chose, je dis que moi aussi, je veux commencer ce que tu es en train de faire. Lui dit que non, tu peux faire ce que tu veux, mais tu sais que tu es en train de me blesser. Moi, je ne sais pas quoi faire. Ok, ma chérie, tu sais pas quoi faire, faut me libérer ce Yougos là. Ok, ma coach. Tu comprends? Libère-moi ce Yougos parce que déjà même, il a une expression là même, il a quelque chose qui dit là même qui m'énerve. Que l'hymne national n'a pas de clip. Ça veut dire quoi? Genre, tu es tellement titulaire qu'on n'a pas besoin de te montrer quoi. Et il ne veut pas qu'on se voit. Quand je dis on se voit, il dit non, on se voit. Quand on se voit à la nuit, que personne ne nous connaît pas, que personne ne nous voit. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas s'il me cache devant les gens. Il ne veut pas que les gens me connaissent. Je ne sais pas. Bon, ma chérie, libère-moi de ce Yougos.
Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, coach, bonjour. Allô? Oui, allô, coach, bonjour. Oui. J'ai pour poser question. Parle, ma chérie, parle. Ok, coach, je suis en couple depuis deux ans avec un homme. Oui. Ma chérie, si tu veux prendre ton temps, tu vas prendre séance de coaching. Si tu veux le gratos, faut parler speed. Sinon, je prends un autre appel. Le gars, il a beaucoup de choses qu'il cache, en fait. Mm-hmm. Il a des enfants qu'il cache. Il a eu 6 enfants avec 6 femmes différentes. Oui. Tous les jours, il augmente. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit 2. Maintenant, nous sommes déjà à 6. Oui. En plus, il est musulman, je suis chrétienne et sa famille ne m'aime pas. Oui. Donc, il est en train de forcer. Oui. Quand il a dit alors qu'il va faire mariage monogamique à sa famille, mm-hmm. on me déteste partout. Mm-hmm. Je ne sais pas comment faire. Ma chérie, vous n'êtes pas... Ma chérie, vous n'êtes pas... Ma chérie, ma chérie, tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Je ne sais pas où tu es, mais il y a trop de bruit, ma chérie. J'ai 27 ans, il a 37 ans, coach. Tu as 27 ans, lui, il a 37 ans, il a 6 enfants de 6 femmes différentes. Oui. Ça veut dire qu'il a fait 6 enfants avec 6 femmes. Oui, oui, il a bon. Fait 6 enfants avec 6 femmes. Mais tu fais quoi avec un gars comme ça? Je sais pas. Hey, ma chérie, comment tu peux aimer quelqu'un comme ça? Je ne savais pas. Il a dit que c'était la jeunesse qui l'a arrêté. À 35 ans, lui, déjà, à 35 ans, il a 6 enfants. Donc, quand il aura 40 ans, ça sera combien d'enfants? Équipe de football? Toi, une petite fille de 27 ans, tu vas te mettre avec un homme qui a 6 enfants de 6 mères différentes, mais c'est que c'est l'homme le plus faux de la planète. C'est l'homme le plus faux de la planète. Faut le laisser, il n'est pas fructueux, ma chérie. De toute façon, tu parles là même, tu ne peux pas me dire que lui, là, il est fructueux. Ça, c'est quelque chose que tu veux rajouter pour pimenter ton histoire. Lui, là, il n'est pas fructueux. Un homme qui est fructueux, un homme qui est fructueux ne peut pas avoir palmarès de celui-là. Faut le laisser. D'accord, coach. Ça, c'est un you-got, ça. Quand il est fructueux, ma chérie. Quand toi-même, tu parles, tu sais que lui, là, quelqu'un qui est fructueux même va se comporter comme ça. Allô? Allô, coach. C'est pour poser question. Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. D'avoir répondu, coach. Non, coach, attends. Coach, ah, si tu n'ouvres pas ton gosier, je prends un autre appel. Non, coach, désolé. C'est pour poser question. Alors, mon problème, coach, c'est que je sortais avec un garçon depuis plus d'un an. Oui. Mais j'ai appris qu'il prépare son mariage et qu'il sort avec 5 autres femmes en même temps. Et ils s'occupent de leur vie, de leurs des enfants, de tout. Donc, je suis désolée, coach, parce que je suis impressionnée, tout ça. Je te regarde sur mon écran. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'il a eu des relations vraiment sérieuses avec ces femmes-là, c'est possible qu'il ait contaminé une de ces femmes. Donc, moi, contaminé de quoi? Résultat de test. Résultat des pistages, tout ça, coach. Il a le sida. On ne sait pas encore. Mais moi, j'ai fait mes résultats. Ça va pour moi, mais les autres filles ne savent pas. Hey. Mais fait, ma chérie, pardon, ton histoire est un peu mélangée. Tu dis quoi? Tu dis que tu sors avec un gars qui a 5 petites... Oui, c'est ça, 5 petites amies. Donc tu sors avec un gars qui a 5 petites amies et qui doit se marier à une 6e. Voilà, c'est ça. Et maintenant, toi, tu dis que le monsieur, il a le VIH. Tu allais faire ton test, mais toi, tu es négative. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai dit, je ne sais pas s'il a une maladie, mais moi, je me suis fait dépister. Mais les autres filles, elles ont peur pour leur santé parce que le gars, il allait voir tout le monde en même temps. Il faisait ses histoires avec tout le monde. Oui, mais ma chérie, c'est quoi ta question? Maintenant, en fait, les médecins m'ont dit, il faut trouver la fiancée parce que peut-être elle est en danger. Parce que si, même si nous, ça va, il va recommencer avec d'autres femmes. Et c'est vraiment un danger pour cette femme-là. Mais moi, je ne veux pas parce que je ne veux pas rentrer dans les histoires de mariage des gens, etc. Oui, mais est-ce que le monsieur-là, il est séropositif? On ne sait pas encore, coach. Oui, mais vous ne savez pas encore, ma chérie. Donc là, du coup, toi, tu t'es transformée en assistante sociale. Bah, coach, quand même, si quelqu'un fait ce genre de comportement avec plusieurs femmes en même temps
et on ne sait pas s'il est malade, c'est dangereux pour... mais en fait, je ne comprends pas un peu ta démarche, ma chérie. Tu dis que tu sortais avec un gars qui avait 5 petites amies, un homme qui avait beaucoup de copines. Et que toi, tu te dis que comme il avait beaucoup de copines, il a le VIH. Toi, maintenant, tu... Non. C'est les médecins, ils m'ont dit, ça peut être un danger. Donc, toi, tu allais voir les médecins et puis tu leur as dit que tu sois avec un homme qui soit avec plusieurs femmes, c'est ça? Voilà. Ah, maintenant, les médecins, maintenant, t'ont dit que ça peut être un danger. Donc, de retrouver cet homme-là avec la fille qui va marier pour qu'ils viennent faire leur test. Voilà, c'est ça. Ah, ma chérie. Je n'ai jamais vu ça, ce que tu es en train de me dire, là. Aïe. Ah, mais moi non plus. Toi non plus, mais donc, ce que tu es en train de faire, là, c'est que tu trouves ça normal. Tu sortais avec quelqu'un, c'est ton ex, vous n'êtes plus ensemble. Le gars, il a beaucoup de copines. Voilà, il a beaucoup de copines. Vous n'êtes plus ensemble. Maintenant, toi, maintenant, qui t'es dit que comme il a beaucoup de copines, peut-être qu'il a le VIH, tu allais faire ton test, tu es négative. Mais si tu es négative, tu n'es plus avec lui. Tu continues ta vie anyway. Maintenant, pourquoi tu veux le poursuivre pour retrouver toutes les filles avec qui il est sorti pour qu'elles puissent aller passer leur test, ma chérie? Ah! Ce que tu es en train de faire là, c'est la démarche, elle n'est pas lourde pour ton âge. Hein? T'as raison, hein. Moi, oui. Je suis sauvée, je suis en dehors de ça. Mais ça m'a mise dans un état, même là, comment je parle, c'est pas comment je parle d'habitude. Il m'a mélangée, mais je suis dans un état, coach, je pensais pas. Il a fait des choses, coach, il a pris des photos chez les unes et chez les autres pour dire, tiens, chérie, j'ai acheté ça pour toi, c'est pour toi. Il a dit à une autre, ma mère est gravement malade, elle est paralysée, je peux pas venir. Sa maman, elle va bien. Je l'ai vue, sa maman va bien. Ma chérie, s'il te plaît, est-ce que je peux me parfumer parce que ton histoire recomblait digne d'un film de Papa Toya? Est-ce que je peux me parfumer? Parfume-toi, t'es tellement belle, coach. Vas-y, vas-y, désolée. Donc, ma chérie, aujourd'hui, tu es devenue l'UNICEF. J'ai pas entendu, coach. Tu es devenue l'UNICEF. Devenue quoi? L'UNICEF, ma chérie. Tu connais pas l'UNICEF? C'est que tu es en train de faire, là. Ça veut dire que le travail que tu es en train de faire, on paye des gens. Mais toi, on te paye pas, tu es devenue l'UNICEF. Tu veux maintenant recenser toutes les femmes avec qui ce gars-là est sorti pour voir si elles sont séropositives. Parce que tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Ce que tu es en train de faire, on appelle ça une forme de gourmet. Tu comprends un peu le truc? Tu es dans le gourmet. C'est le gourmet, ma chérie, qui te fatigue. Ah oui, c'est ça. Tu aimes le gars. Tu aimes le gars. Tu n'arrives pas à l'oublier. Ah, j'étais amoureuse. Surtout que moi... Mais tu l'es toujours, ma chérie. Tu l'es toujours. Parce que dans ton explication, on sent que ce que tu es en train de faire, c'est pas pour sauver les filles. Mais c'est pour contrôler le gars parce que tu n'arrives pas à l'oublier. Donc c'est le gourmet qui est en train de te faire perdre la tête. Maintenant tu es devenu l'UNICEF, ma chérie. Mais non, coach. Non, coach, mais ma chérie, ce que tu es en train de faire, ou bien c'est une forme de dépression. Parce que ce que tu es en train de dire là, ma chérie, depuis que je suis née, c'est la première fois que j'entends. Parce que moi, tu penses que je vais aller fouiller dans la vie de mon ex, avec qui il est sorti, s'il est séropositif ou pas, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, ma chérie? Mais quand même, c'est un problème. Enfin, c'est un problème de quoi? Non, moi, j'ai eu peur pour ma vie parce que... Mais ma chérie, tu as eu peur pour ta vie. Maintenant, tu allais faire, on dit que tu es séro-négatif. Tu as peur encore de quoi? Non, justement, c'est pour ça, c'était ça ma question, coach. Oui. En fait, moi, je ne voulais pas contacter la fille. Pour moi, c'était réglé. J'ai mes résultats, j'ai fini avec lui, c'est bon. Oui. Mais les médecins, vu qu'ils ont insisté, tu dois faire plusieurs rendez-vous, les médecins, ils ont insisté, ils ont dit, il va pas s'arrêter là, il va continuer. Est-ce que tu es sûr que, voilà, tu laisses les autres en dehors? Moi, j'ai dit oui, moi, j'ai mes résultats, c'est bon. Mais les médecins, eux, ils ont un devoir de, voilà, connaître tout ce qui se passe, qui sont les personnes contaminées, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Ma chérie, s'il te plaît, les médecins n'ont pas la preuve que le monsieur, il est séropositif. C'est toi-même, tu te dis, comme il est frivole, peut-être qu'il est séropositif. Mais toi, tu allais faire ton test alors qu'il est sorti avec toi sans les préservatifs. Mais toi, tu n'as rien eu, Dieu merci. Dieu t'a mis à l'écart, Dieu t'a épargné. Continue ta vie, s'il te plaît. Continue ta vie. Et puis le monsieur, le gars, faut l'enlever dans ta tête. Parce que le gourmet, là, vraiment, je ne sais pas. Faut l'enlever dans sa tête, pardon. Toi, tu as sauvé ta peau, tu es tranquille. Faut continuer ta vie. Faut chercher à l'oublier. Je sais que c'est pas facile, mais oublie-le, c'est pas facile, je sais.
Merci, coach. Oui. Merci, coach. Je oui. vois les commentaires, ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas gentils, mais toi-même, ce que tu es en train de dire, là, c'est on peut te caresser. Gros truc que tu viens de dire, là, c'est les commentaires même peuvent t'embrasser, ma chérie. Aïe. Mais ça, c'est une histoire au Cambodge digne d'un film. Digne d'un film d'extraterrestre. Extraterrestre. Je suis dans un film d'extraterrestre ou bien je suis où, là? Aïe. Oh. J'ai dit que Goumen qui est là, là, ça a plusieurs formes, hein. Goumen peut rendre fou et puis toi-même, tu ne comprends pas. Tu entends vivre la folie et puis tu penses que tu es normal. Aïe, on peut faire les choses comme ça. Allô? Allô, bonjour, ma coach. Allô? Allô, bonjour, ma coach. Bon, ma chérie, la politesse, tu vas revenir après. Allô? Allô, c'est pour poser question. Parle, ma chérie, parle. Bonjour, ma coach. En fait, j'ai un problème. Je suis, en fait, à Dublin. Mm-hmm. Et j'ai rencontré quelqu'un quand je suis venue il y a 2 ans. Mm-hmm. J'étais dehors, j'avais pas d'abri, en fait. Et mm-hmm. puis, après, je suis tombée enceinte. Mm-hmm. Parce qu'il a déjà une copine avec qui il a un enfant. Mm-hmm. Je suis tombée enceinte. Je lui ai dit que j'étais enceinte. Il a nié la grossesse. Mm-hmm. J'ai passé 9 mois, coach, sans personne, en fait, juste ma mère. Mm-hmm. Et après, j'ai eu mon bébé. Mais mm-hmm. je l'aimais toujours, parce qu'on a presque le même âge. J'ai 25 ans, il a 26 ans. Mm-hmm. Et il m'a laissé comme ça. Je l'ai suivi après. Mm-hmm. J'ai demandé à ce qu'il puisse reconnaître son enfant. Mm-hmm. Et il a reconnu son enfant. On s'est réunis ensemble, coach. Mais j'ai vu des choses. Mm-hmm. Et j'ai reçu ma maison. Il mm-hmm. venait me voir, mais il ne donnait rien pour l'enfant. Au minimum, mm-hmm. il donnait 20 euros pour le lait de l'enfant. 20 mm-hmm. euros seulement. Mm-hmm. Et il a commencé à faire des trucs. Il me dit que je suis vieille, je ne suis pas jolie. Sa copine est plus jolie que moi. D'ailleurs, il va se marier avec elle. Il venait me raconter ça. Ma chérie, passe à l'essentiel. Quelle est ta question, s'il te plaît? Ça, c'est les détails. En fait, ma question, c'est que, coach, mm-hmm. Je ne sais pas quoi faire. Je l'aime toujours. Je ne sais pas ce que je veux faire, en fait. Mm-hmm. C'est le père de mon enfant. Il ne me parle plus. Mm-hmm. Il m'a laissé avec l'enfant. Non, mm-hmm. je ne sais pas. Je suis, en fait, perdue. Et puis, je me sens coupable d'aller dans une autre relation. Mm-hmm. Donc, c'est ça. C'est OK. Ça, en fait. Donc, si je comprends bien... Le père de ton enfant, quand tu lui as dit que tu étais enceinte de lui, il t'a abandonné. Oui. Et toi, tu es restée avec ton enfant. Aujourd'hui, tu as eu ton bébé. Il est revenu dans ta vie. Il veut reprendre avec toi. Il était revenu. On mm-hmm. a repris. Juste quand le bébé avait 3... Parce que le bébé a 5 mois. Oui. Il est revenu. Il a joué avec moi. Et puis, il est reparti. Mm-hmm. Parce qu'il m'avait appelé il y a 2 semaines. Il est revenu avec sa copine chez moi mm-hmm. pour me prendre mon fils. Mm-hmm. Non, c'est ça que je demande, qu'est-ce que je peux faire, parce que je l'aime toujours, ça me fait souffrir, je maigris, je viens d'accoucher, mais ça ne va pas au fait. Je suis triste, ça ne va pas au fait. Ok, mais aujourd'hui, comment ça se passe entre vous deux? Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne veut plus de toi, ou bien comment ça se passe exactement, ces temps-ci? Coach, au fait, le truc c'est qu'il ne m'a jamais rien dit. Je sais qu'il a son autre copine nigérienne avec qui ils ont eu un premier enfant. Mm-hmm. Avec moi, il venait, on faisait tout au fait, il vient, mm-hmm. il reste, on parle, je prépare, on mange et tout. Mais il a disparu, il ne fait pas signe. Mm-hmm. Quand il est revenu, il y a 2 semaines pour prendre le bébé, pour faire un tour avec lui, mm-hmm. je n'étais pas d'accord. Et j'ai même parlé avec son père, c'est là qu'il m'a vraiment bloqué. Il m'a dit que je reste avec mon enfant, que mm-hmm. je puisse garder mon fils. Il va avoir d'autres surprises avec cette fille-là. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, ta question, ma chérie, aujourd'hui, ta question, c'est quoi? C'est de savoir si tu dois rester avec le gars ou si tu dois le laisser, c'est ça? Yeah, coach, le truc, c'est que je ne sais pas comment l'oublier, au fait. Si, tu vas l'oublier, tu n'as pas le choix. Marcel, depuis que tu as arrêté là, tu bailles seulement, tu as sommeillé. Tu t'es réveillé vers les 9h, 10h. Mais depuis là, toi-même qui es garde-corps là, tu es en train de bailler, moi-même que tu dois surveiller là. Je la pêche plus que toi, mais ma vie est en danger. On peut avoir un garde-corps qui baille jusqu'à... Ouah, tu veux m'avaler? Hey. Non, en tout cas, je crois que moi-même, je vais me surveiller. Donc, ma chérie, faut l'oublier, tu n'as pas le choix. Faut l'oublier, c'est un faux type. Faut l'oublier, c'est un faux type. C'est un faux type. Faut l'oublier, il ne t'aime pas. Faut l'oublier, ma chérie. Hein, tu vas souffrir, tu ne vas pas mourir. Merci, coach. Oui, courage à toi. Ça, c'est un faux type. Oui, ça, c'est un faux type, ça. Allô? Allô? Bon. Allô? Allô? Oui, bonjour, ma coach. Allô? Oui, allô, coach, bonjour. C'est pour poser question. Quand vous appelez, laissez la politesse là. Dites directement, c'est pour poser question, s'il vous plaît. Bonjour, là, mettez ça en commentaire. Oui. C'est pour poser question? Oui, c'est pour
vous poser une question, coach. Ok, ma chérie, parle, parle. Donc, je suis en couple avec un homme, ça fait 3 ans. Oui. Et il ne m'a pas connu vierge. Et oui. Lui, il dit qu'il est puceau. Mais chaque année, à chaque fois, il me rappelle que je ne suis pas vierge. Il me rappelle tout le temps que je ne suis pas vierge. Et on va bientôt se marier. Donc, moi, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de se marier avec quelqu'un comme ça, si après ça, c'est des problèmes? Voilà quelqu'un, voilà une Nicole. Nicole a lui dit, Marcel est en sommeil, il faut le laisser se reposer. Hein? De le laisser se reposer. Et puis, c'est toi qui vas le payer, ma chérie. La vie est facile comme ça. Donc, ma chérie, oui. Oui, donc, ça veut dire que toi, tu as connu un homme, et l'homme, en fait, tu lui as dit que tu es vierge. Non, non, je lui ai dit que je ne suis pas vierge. Ok, tu lui as dit que tu n'es pas vierge, mais lui, il dit qu'il est puceau. Oui, coach. Et vous devez vous marier bientôt, mais à chaque fois, il te rappelle que tu n'es pas une femme vierge. Oui. Que genre, tu n'es pas sérieuse. Non, il dit que le problème, ce n'est pas moi, mais que comme j'ai connu d'autres hommes avant, ça le dérange de voir les autres hommes là, parce que ce sont des personnalités. Ok, donc ça veut dire que lui, aujourd'hui, lui qui est puceau là, il te dit que comme tu as connu des hommes avant lui, il n'arrive pas à accepter le fait que tu as connu des hommes avant lui, c'est ça? C'est ça, coach. Et vous devez vous marier bientôt, n'est-ce pas? Oui, coach. Tu me dis, maintenant, là, c'est quoi ta question? Maintenant, ma question, est-ce que je dois continuer ou bien de laisser si après ça va revenir comme ça? Parce que j'ai peur, si après, dans le mariage, il me rappelle ça tout le temps. Mm-hmm. C'est ça, je t'ai dit là, ma chérie. Ça, c'est un danger. C'est un danger à venir. Tu comprends? C'est un danger très, très... Voilà, ça veut dire que ce gars-là, quand il va te marier, il va te maltraiter et il risque de t'abandonner pour aller se mettre avec une autre femme. Parce qu'un homme qui te rencontre, qui sait que tu n'es pas vierge, mais qui accepte d'être avec toi, et cet homme aujourd'hui, il est tout le temps en train de te rappeler que tu n'es pas vierge. Oui, les hommes que tu as connus avant moi, là, je n'arrive pas à accepter. Mais ma chérie, c'est ta vie, c'est ton passé. Il veut quoi? C'est ton passé. Les hommes, tu les as connus, c'est un fait. Qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas. Il ne va pas vouloir être avec toi parce que lui, ce qu'il est en train de faire, c'est de l'hypocrisie. Il ne va pas vouloir être avec toi et te reprocher à chaque fois le fait que tu sois déviergé. Donc, ma chérie, moi, je te dis en même temps, ce gars-là, si tu te mets avec lui, il va te faire ça propre, mais à l'envers. Donc, le mariage qu'il veut faire avec toi, il faut lui dire que ce n'est pas la peine. Il n'a qu'à aller prendre une femme qui est vierge comme lui. Les deux vont se marier. Toi, il n'a qu'à te laisser. Sinon, tous les jours, il va te traiter de prostituée. Il va te traiter de pute. Il va te traiter de femme qui n'est pas sérieuse. Tu comprends un peu le truc? D'accord, coach. Oui. Merci beaucoup. Oui. Coach. Non, mais ça, c'est une histoire. C'est une histoire de complet digne d'un film de Maloya. Mais il est malo, ce gars. Il est malo. Il est malo. Mais c'est pas celle-là, c'est pas elle qui a appelé tout à l'heure, là. Allô? Aïe, on peut appeler beaucoup de fois comme ça. Allô? Mais celle-là, elle a appelé, non? Mais pourquoi ceux qui ont déjà appelé là, c'est eux qui... Aïe. C'est pour poser une question. Ah, là, maintenant, tu connais. Ok, parle, ma chérie, parle. Oh, ma coach, je voulais juste vous dire qu'on vous aime beaucoup, que je t'aime beaucoup. Merci, ma chérie. Merci. Allô? Oui, coach, je posais question. Ok, parle, ma chérie, parle. Ma coach, c'est gâté. Ah gâté. Bon? Tu es très jolie. Merci, ma chérie. Malgré que j'ai mis les fossiles rocambolex. Oui. Ma chérie, avant de commencer, oui, s'il te plaît, coach. Est-ce que tu as ta gamme de chez Skin Technology by Latania? Pas encore, coach. Ma chérie, tu aurais pu dire oui. Ça, c'est le sérum. Ça, c'est le sérum jeunesse, anti-vieillissement. C'est ce que tu appliques avant de mettre n'importe quelle crème sur le visage. Tu appliques ça. Ça, c'est le sérum jeunesse, rajeunissant. Et ça, c'est le lait. Ça, c'est le lait pour appliquer sur le corps. C'est ce que je mets sur ma peau et puis mon teint comme ça. Donc, quelle que soit ta peau, va chez Skin Technology by Latania. Skin Technology by Latania. J'ai oublié même de... J'ai oublié des choses d'épingler. Skin Technology, ben, Latania, vous pouvez la contacter directement ou vous allez sur son site. Attendez. Oh, je n'aime pas ça. Attends, ma caviar.
J'ai Il n'y a pas oublié. de problème, Oh, coach. oui, J'entends. oui. Voilà. Voilà. Aïe, pourquoi? Ah non, c'est pas ça. C'est ça là, quand tu es pressé, et puis ça te fait ça là, ça m'énerve. Attends, faut pas quitter ma chérie. Faut pas quitter. Voilà, c'est ça. Ok, donc Skin Technology Païla Tania, pour tous les problèmes de peau, quel que soit ce que tu veux pour ton corps, tu contactes Skin Technology Païla Tania, tu fais plus 1 312 934 81 30, je répète, plus 1 312 934 81 30. Skin Technology Païla Tania, c'est la marque des caviar, c'est la marque des champagnes. Ok, ma caviar, parle. Ma coach, Oui. il y a 3 ans, je suis mariée, Oui. j'ai 2 enfants. Je suis mariée, ça fait 12 ans et j'ai 2 enfants. Il y Oui. a 3 ans, j'ai traversé une période compliquée avec mon mari, Oui. donc j'ai laissé une porte ouverte et j'ai rencontré quelqu'un en Haïti, vraiment avec les manières fructueuses, bien comme il faut. Oui. Au départ, c'était pour se changer les idées. Oui. Mais après, on s'est rapproché. Lui, il est en couple. Il n'a jamais été marié, mais enfin, il était en couple avec quelqu'un pendant, ça fait 17 ans. Et il y a 1 an, il m'a demandé de me séparer pour me mettre avec lui. Bon, j'étais habituée à l'Afrique. Enfin, je me suis dit, enfin, On dit dans ma déjà ton tête, c'était sac. pas trop ça. Oui. Donc, je lui ai dit que pour que je fasse ça, il faut que lui, il se sépare et qu'il nous trouve un logement où on va habiter Mais lui, ensemble, lui et moi, par moi. le Whitey là quoi? Oui, le Whitey, Il dit il m'a quoi? dit qu'il est amoureux. Enfin, au bout de 2 ans de relation avec lui, où on se voyait de temps en temps, il m'a dit qu'il est amoureux et qu'il veut que je me sépare, que je divorce pour vivre avec lui. D'accord. Donc, si je Bon, comprends je lui bien, ai dit. si je comprends bien, ma caviar, tu es mariée et tu trompes ton mari avec un Whitey. Oui. Ok. Donc, aujourd'hui, le Whitey veut que tu divorces pour être avec lui. Bon, oui, il m'a dit ça il y a 1 an. Oui. Parce que en fait, avec le Whitey, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Oui. Donc, il m'a dit ça il y a 1 an. Et moi, je lui ai répondu, s'il faut que je me sépare, s'il faut que je divorce, il faut qu'il me trouve un logement bien où on va rester tous ensemble avec les enfants. Parce que je ne vais pas, parce qu'il m'a dit qu'il va faire partir sa compagne pour que je vienne vivre avec lui. Et moi, je lui ai dit que je ne vais pas vivre dans le logement de sa compagne. Sa compagne a des enfants, je ne vais pas permettre qu'il les mette dehors. Mais ma coach, je ne savais pas qu'il allait me prendre au mot. Donc, il y a une semaine, il y a une agence de immobilière qui m'appelle pour me donner un rendez-vous pour visiter un logement venant de la part de monsieur, ce monsieur-là. Parce que dans la région, c'est quelqu'un qui est quand même un peu connu. Enfin, il a une petite société qui marche bien. Il est un peu connu. Donc, je suis allée, on arrive à la visite et il m'a dit de signer le contrat d'achat. Oui. C'est la preuve pour moi qu'il veut vraiment être avec moi. Je signe le contrat d'achat et je divorce. Sauf que, bah, entre mon mari et moi, entre-temps, la situation est devenue, on a essayé de régler nos problèmes. Et moi, maintenant, le Whitey, c'est pour la fracture. Ce n'est plus parce que je me sentais, ce n'est plus parce que je veux me séparer. Donc, je suis coincée dans l'histoire, là, ma coach. Ok, donc ça veut dire Entre-temps, pour la qu'aujourd'hui, fracture. oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, ton amant est prêt à prendre un appartement puisque c'est ce que tu lui as demandé pour vivre avec vous, toi et tes enfants. Sauf que maintenant, Oui. toi et ton mari, vous êtes réconciliés, donc ça se passe très bien dans votre foyer. Ça se passe bien, oui. Voilà, et le Whitey, tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire que lui, c'est juste pour son jeton. Bon,
C'est pas que je l'aime aussi. Enfin, j'aime ses mains. Il est bien. Ma chérie. C'est un homme comme on veut. Ma chérie, ça c'est les détails. Ma chérie, s'il te plaît, soyons précises. Oui, tu aimes ton mari, oui. Le Whitey, tu ne l'aimes pas. Tu aimes sa compagnie, mais tu ne l'aimes pas. Tu es avec lui plus pour son jeton, n'est-ce pas? Ma coach, j'aime les deux là. Tu aimes les deux? J'aime les deux. Ok, oui. Tu aimes les deux. Maintenant, aujourd'hui, le monsieur, maintenant, il allait acheter une maison pour que vous viviez ensemble. C'est-à-dire que lui va quitter sa concubine, toi, tu vas quitter ton mari pour que vous viviez ensemble, puisque c'est ce que tu lui as demandé. Maintenant, toi, ta question là, c'est quoi? C'est que je suis coincée dans l'affaire là. Il faut que je ne sais même pas comment je vais faire. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Mm-hmm. Ok, ma chérie. Je ne sais pas. Faut laisser le Whitey. Le problème, c'est que l'argent là, il me dit de signer moi le contrat d'achat. Lui, il fait le virement d'argent. Moi, je mets l'appartement à ma maison. Est-ce que je vais laisser ça, ma coach? Ma chérie, tu sais, faut faire très attention. C'est-à-dire que tu sais, quand on est dans la bêtise, arrivé à un certain moment, il faut se ressaisir. Là, la récréation a assez duré. Et il faut savoir ce que tu veux. Je vois ton profil, tu n'es pas une petite femme. Tu es très majeure. Tu comprends? Tu as plus de 35 ans. Donc, fais très attention. Sinon, tu risques de regretter plus tard. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, tu penses que c'est parce que tu as trop le succès. En temps, c'est le diable qui est en train de jouer avec toi comme ça. Parce que si tu laisses ton mari, que tu vas te mettre à ce Whitey là, demain, il va rencontrer encore une Camerounaise comme toi. Il va te laisser pour aller se mettre à la Camerounaise. C'est un homme même lui-même de base qui est irresponsable. C'est vrai, il est fructueux, mais il est responsable. C'est-à-dire, lui, il suffit qu'il soit amoureux, il veut quitter celle avec qui il est. Tu comprends? Ton mari, c'est le père de tes enfants. Ton mari, tu as toujours été avec lui. Ça n'allait pas, c'est pour ça que tu t'es retrouvé dans les bras de ce Whitey. Aujourd'hui, ton mari et toi, vous êtes réconciliés, tout va bien de vous. Coupe les ponts avec ce Whitey. Pourquoi tu veux le blaguer, prendre la maison qu'il va acheter là pour toi et puis rester toujours avec ton mari? Tu sais très bien que c'est impossible. Tu ne peux pas faire ça. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu as envie de rester avec ton mari, il faut laisser le Whitey. Maintenant, si tu as envie aussi de maison, que tu veux rester à le Whitey, là, faut laisser le monsieur, faut libérer le monsieur qui est dans le foyer, là. Il va trouver une autre femme. Fais très attention, ma chérie. Tu n'as plus 20 ans, tu n'as plus 30 ans. Sinon, tu risques de le regretter. Le Whitey, faut lui dire que ton mari, tu ne peux pas le quitter. Parce que vous avez des enfants ensemble, tu ne peux pas faire ça à tes enfants. Tu as besoin que tes enfants soient équilibrés, tes enfants soient bien. Et donc, tu ne peux pas séparer les enfants de leur père. Tu expliques ça au Whitey? Maintenant, c'est lui. Si lui, ça le dérange. Hein? C'est ça, ma coach. Oui. Tu ne peux pas faire ça à mes enfants. Mais oui, tu ne peux pas faire ça à tes enfants, ma chérie. À cause de quoi? À cause de maison. Maison, là, c'est ça qui est quoi? Maison, là, tu peux acheter à ton mari. Tu peux acheter une maison à ton mari. Tu peux acheter une maison à ton mari. Hein? On a acheté maison. Voilà, toi-même, tu as acheté, tu es propriétaire. Et tu sais très bien qu'en France, ce n'est pas l'argent qui achète maison, c'est les papiers qui achètent maison. Si tu as les papiers qu'ils demandent, tu rentres bien dans les conditions, tout, hein, les bonnes fiches, je paye, avis d'imposition, tu payes les impôts, tout est bien réuni, on va te faire le crédit, tu auras une maison. Donc pourquoi tu as quitté ton mari avec qui tu as eu des enfants, ton mari avec qui tu es depuis, pour aller suivre un Whitey à cause de maison? Ma chérie, fais attention, hein, parce que la vie qui est là, quand une femme ne sait pas ce qu'elle veut, là, elle se retrouve dans la merde, hein. Moi je te dis, tu n'as plus 20 ans. Donc, ce Whitey, il faut lui dire les choses telles qu'elles sont. Il faut lui dire tu ne peux pas quitter le père de tes enfants qui est ton époux. Tu ne peux pas faire ça à tes enfants. Tu penses au bien-être de tes enfants. Tu n'as pas sacrifié l'éducation, l'équilibre de tes enfants pour un connerie comme ça. Là. À quoi une maison? Maison, c'est ça qui est quoi? Ma chérie, pardon. Au revoir. Merci, ma coach. Faut te revoir. Hein? Faut te revoir. Là, tu pars en couille. Hein? Allô? Oui, allô, ma coach. Bonjour. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, ta voix là, ça ne m'arrange pas. Je vais prendre un autre appel. Oh, ma coach, je vais vous poser question. Ok, ma chérie. Mes amours, mes caviars du Cameroun, mes caviars de Douala. Oui, aujourd'hui, c'est le jour J. Ce soir même, à partir de 18h, se tiendra la conférence, la soirée 3C, la soirée caviar, la soirée chic, la soirée casino. Avant-hier, c'était à Yaoundé. Ça a été un succès phénoménal. Aujourd'hui, je suis à Douala. Il faut que ce soit un succès phénoménal. Il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Je dis un grand merci au caviar JC Max. DJ Mac. DJ Mac XFM qui a offert 10 billets.
au caviar de Douala pour qu'on puisse leur offrir. Je dis merci à la caviar camerounaise qui est aux États-Unis, qui préfère qu'on ne dise pas son nom, qui a offert 5 billets pour qu'on offre au caviar de Douala. Je dis un grand merci à Sissi. Hein? Je dis un grand merci à Essi, la Africana, qui a offert aussi 5 billets au caviar de Douala pour qu'elle puisse avoir accès à la soirée de ce soir. Donc les caviars seront servis, elles auront, il y en a déjà qui ont déjà pris leur billet, le reste vont prendre ou bien elles vont venir à la soirée, elles vont montrer leur pièce d'identité et elles vont pouvoir avoir accès à leur carte si on n'a pas eu le temps de leur remettre. Je dis un grand merci. En tout cas, ce soir, ça serait un framponnement, ça serait un fracassement. Oui, c'est quoi ça y est? C'est la Dei Chicane, c'est la KLMP, El Monumento. Oui, la coche présidentielle, la KLMP, inspiration divine. Parle, ma chérie, parle! Bon, en fait, ma coach, je suis en... Donc, mes caviars, attends, ma chérie, mes caviars, si on ne sait jamais, si vous voulez prendre des billets, si vous avez besoin de toute information, contactez maintenant l'organisation au 694-14-68-31. Je répète, 694-14-68-31 ou le 672-46-62-24. Ça va crépiter ce soir. Ça va crépiter ce soir. Oh, Seigneur, je fais quoi? Ça va crépiter ce soir. Oui, c'est quoi ça y est? Oui, ma chérie. Oui, ma coach. En fait, je suis en couple avec un gars depuis 2 ans. Oui. Et lui, il n'aspire pas au mariage. Et moi, je n'aspire pas... Ma chérie, faut speeder, pardon. Tu vas faire endormir l'émission. Je dis, je suis en couple avec un gars, ça fait 2 ans. Oui. Et j'ai à l'étranger, moi, ici. Donc, on se voit de temps en temps. Je vais le voir, soit lui, j'aime le voir. Oui. Mais maintenant, ma coach, lui, il n'aspire pas au mariage. Et moi, j'aspire pas aux enfants sans mariage. Oui. Maintenant, lui, il veut un enfant. Que faire? Ben, tu n'acceptes pas. Tu ne vas pas te plier à lui ses principes. Pourquoi? C'est toi la femme. Toi, tu ne peux pas faire enfant avant le mariage. Lui, il ne veut pas le mariage. Donc, ça veut dire que vous deux, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Il faut lui dire que s'il veut un enfant, il n'a qu'à te marier. S'il te marie, tu vas lui faire un enfant. C'est la condition et c'est indiscutable. Tu comprends un peu? Ce n'est pas négociable. C'est pas négociable. S'il veut te marier, qu'il veut vraiment un enfant de toi parce qu'il t'aime trop, il a envie que vous ayez un lien, il n'a qu'à t'honorer. Ça, là, c'est la moindre des choses. Oui. Mariage est plus facile que faire enfant. Donc, c'est quoi le problème? Oui, parce que je lui ai dit qu'avoir un enfant, c'est avoir un lien à vie. Et je ne peux pas accepter d'avoir un lien à vie avec un homme qui ne m'honore pas. Ah! Faut le laisser, pardon, faut même pas l'écouter. Faut rester avec lui, mais faut lui dire pour qu'il te fasse, tu lui fasses un enfant, il faut qu'il te marie. S'il t'aime vraiment, il va te marier. S'il ne te marie pas, ma chérie, tu ne fais pas enfant là. Tu ne vas pas te vendre moins cher. D'accord, ma prochaine. On n'est pas dans le coup, mon chemin. Allô? Mais ça, c'est une histoire au complet digne d'un film de. Oui. Oui. On a eu un enfant ensemble. Oui. Et là, maintenant, depuis... Petit problème, Yougos. Oui. Et là, depuis qu'il était accouché, j'ai appris qu'il a loué un appartement pour une autre femme. Oui. Mais toi-même qui es tombée enceinte... Toi-même qui es tombée... Ma chérie, toi-même qui es tombée enceinte de lui, il t'a loué appartement? Oui, il m'a loué. C'est lui qui s'occupe de moi. Il s'occupe bien de son enfant. Mais on a eu un petit problème. Il a mon amitié avec mes amis. Il ne me touchait plus. Oui. Quand j'ai commencé à faire les histoires, il a dit... Lui, il est musulman. Merci, Maggie Mag, pour les étoiles. Merci. Oui. Il dit que cette femme-là, c'est sa deuxième. C'est la deuxième que je dois accepter. Si je n'accepte pas, c'est mon problème. Et depuis que j'ai accouché de mon enfant à 6 mois, il ne me touche pas. Ça fait presque 1 an, il ne me touche pas. Est-ce que je vais continuer dans ce genre de relation? Oui, mais est-ce que vous êtes mariée? Non, nous ne sommes pas mariés. Ok, donc faut pas continuer dans ce genre de relation, ma chérie. Il faut aller doucement. J'espère que tu as un travail, tu as une activité. Oui, j'ai une activité, j'ai un travail. Ça se passe bien, mais il paye toujours ma maison. Il s'occupe de son enfant. Ok, ma chérie, il ne faut pas accepter. Faut pas accepter. Tu as compris? Ok, d'accord. Oui, non, mais il est malhonnête. Hein? Tu n'as pas marié quelqu'un, tu dis oui, c'est ma deuxième femme. Allô? Allô, my God? Oui. Bonjour, ma coach, j'ai une bonne question. Oui, ma
pause. Va parler, ma chérie. Oui, mon coach, ça vous pose une question. Ça là, j'ai compris, il faut parler, ma chérie. Ma coach, je suis avec un jeune homme. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Oui. Il s'occupe très bien de moi. C'est là, en tout cas, il est venu comme mon papa et puis par maman. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que il avait problème au niveau du sexe. C'est-à-dire qu'il a l'éjaculation précoce de 1, de 2, il a un ghost permis, de 3, il ne s'est pas fait. Et à chaque fois, quand je lui en parle, il réagit pas. Il me dit, ok, il va se soigner. Moi-même, je cherche médicaments pour lui, tout ça. Mais je vois qu'il n'y a pas d'amélioration. Et je lui dis que, à force de faire ça, tu vas me perdre un jour. Mais quand oui. Ça, il pleure. Pour pouvoir dissuader mon cœur, pour dire non que... Edeline, Eka, merci. Merci pour les étoiles. Oui. Ma chérie, c'est quoi ta question? Je suis, il m'a, bon, je sors avec un monsieur maintenant. Mm-hmm. Je suis avec mon chéri, mais je sors avec un monsieur parce que par moment j'ai besoin de ça. Mais le monsieur aussi, il s'est fait, mais il ne s'occupe pas très bien de moi. Mm-hmm. Donc j'ai dit à mon chéri que si il ne fait pas le truc, on va se laisser. Mais dis non que si je le laisse, lui, il va se tuer. D'accord. Bon, c'est quoi ta question, ma chérie? Donc je sais pas quoi faire, coach. Faut choisir celui qui te rend heureuse. L'autre, il est marié, coach. Ma chérie, faut choisir celui qui te rend heureuse. D'accord, ma. Celui avec qui tu te sens bien là, que tu es heureuse là, faut le choisir. Parce que tu n'es pas marié, tu es célibataire. Donc celui qui t'arrange là, faut le prendre. D'accord, ma coach. Au revoir, ma chérie. Merci, ma coach. Oui. Merci. Vous qui appelez d'Abidjan là, j'espère que vous avez votre billet pour le 11 juin. Hein? Vous les caviars d'Abidjan, là, de la Côte d'Ivoire, j'espère que pour le 11 juin, là, vous êtes en train de prendre vos billets. Parce que vous aussi, là, vous aimez dans votre bouche. Voilà ça, je suis en train de faire le tour du monde. Dans tous les pays où je vais, là, les gens m'honorent. Maintenant, j'ai venu dans moi-même mon propre pays, là. J'espère que vous êtes en train de prendre des billets. Parce que vous, c'est sur Internet, vous aimez les gens. Mais quand il s'agit maintenant de soutenir les gens, là, vous ne voulez pas dépenser un centime. Depuis, là, il est fructueux, il est comme ça. Il est fructueux, là, il faut prendre maintenant billets de fructueux, là. Tu prends pas aussi. On peut faire les choses comme ça. Elle dit qu'ailleurs, même là, même on te traite, on dirait reine. Maintenant, chez vous, maintenant, là, vous êtes avare. Allô? 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 Il n'y a pas envie de dormir. Allô? Allô? Allô, coach, c'est pour poser une question. Attends, ma chérie, il ne faut pas quitter. Il y a une caviar qui a dit qu'elle veut acheter le billet pour Abidjan. Ok. Vous êtes mazo. Il faut qu'on vous secoue pour que vous jouez rôle. Attends, je te donne le numéro. Je te donne le numéro, ma chérie. Où est le numéro là aussi? Affiche-le aussi, est chargé comme ça. Pour chercher, pour trouver le numéro, il faut... Alors, pour contacter l'organisation, pour prendre vos billets, pour la conférence... Du 11 juin du côté de la Côte d'Ivoire, vous contactez le 07 59 50 34 32 ou le 07 59 30 25 91 ou bien vous allez à Cap Sud, Cap Nord, tout ça, ou en tout cas contactez, il y a les billets, on vend les billets dans ces endroits là et contactez aussi l'organisation, ils vont vous donner les différents points de vente. Oui. Allô? Allô? Oh. Mais celle-là, elle a déjà appelé, non? Allô? Les Ivoiriens sont mazo. Ça veut dire que pour qu'ils fassent quelque chose, il faut les secouer. Vous voyez même, vous êtes là, oui, c'est notre coach. On est fiers de toi. Donc, tu représentes la Côte d'Ivoire, on est fiers de toi. On est fiers de toi maintenant, là. Voilà l'événement. Allez prendre billet pour venir, là. Vous êtes là, oui, c'est trop cher. Ah, mais c'est trop cher. C'est trop cher comment? Tous les jours, vous parlez de fructures, là. Bien encore, là, c'est ça là, qui est cher pour vous. Vous aussi. Hein? Ne faites pas ça. On ne peut pas t'avoir comme ça. C'est pas bon.
Ah bon, dépensez un jour. Depuis des années, je vous donne conseil gratuit. Je fais tout gratuit. Mais pour aussi payer tout là aussi, c'est pour... Attends, j'ai bloqué ça. Allô? Oui, coach, c'est pour poser une question. Parle, ma chérie, parle. D'accord, coach, je vous explique la situation. Je viens d'arriver sur le bain et je me suis mis avec un homme marié parce que j'avais un problème de logement. Oui. Donc, il était question pour moi que dès que mon problème de logement se résout, moi, je quitte dans ça et puis je mets fin. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Là, tu endors l'émission. Oui, coach. Entre-temps, donc, mon problème de logement a été résolu et je veux noter que dans la relation, j'ai eu à lui prêter de l'argent que j'attendais et tout. Donc, quand j'ai donc mis fin à la relation, le monsieur dit qu'il ne me remet plus mon argent. Mm-hmm. Aïe. Et maintenant, il faut noter que quand j'étais dans la relation, j'avais découvert qu'il avait une relation avec une autre fille, qui est copine à sa femme et tout. Et j'avais noté, j'avais pris des preuves de tout ça et tout ça. Donc aujourd'hui, ma question est que, vu qu'il ne veut pas me rembourser mon argent, est-ce que j'oublie ça et vu que j'ai la mission à tout ça, donc bref, je mets ça tout ça derrière moi. Oui, ou alors je lui crée aussi des problèmes dans son couple en montrant les preuves de sa relation avec l'ami de sa femme là à sa femme. Non, ma chérie, il faut laisser. Faut laisser, tu étais venue, tu n'avais pas encore une bonne situation, tout aujourd'hui. Tu as eu ton appartement, tu as peut-être régularisé. Il faut regarder devant toi. C'est pas grave, l'argent que tu lui as prêté, il va pas te rembourser, tu le sais. Quand tu prêtes l'argent à un homme avec qui tu mougous, il va jamais te rembourser. Ça là seulement, il n'y a pas crédit d'enfer de mougouli. Donc faut laisser ça, faut continuer ta vie. C'est pas la peine d'aller de vouloir lui créer des problèmes dans son foyer. C'est pas la peine, ma chérie. Faut pas attirer des ondes négatives sur toi. Là, c'est maintenant que tu viens d'arriver en France. Parce que c'est maintenant ta situation est régularisée, c'est maintenant que tu es un chez toi. Donc maintenant, là, on peut dire bonne arrivée en France. Va de l'avant, il faut le laisser. Tu as compris? D'accord, oui, l'argent là, tu vas gagner jusqu'à un temps, mais tu seras fatigué. Merci ma caviar, bisous. Coach, merci, à bisous. À bisous, oui. Allô? Allô? Bon. Allô? Allô? Mais pourquoi même appeler quand on n'a pas d'unité? Allô? Allô? Oui, allô, si vous posez question. Oui, parle ma chérie. Oui, quand j'appelle parce que je suis dans... Non ma chérie, la voix ça va pas le faire, c'est trop mince. Là, tu m'entends? Oui. Oui, je disais que je suis dans une relation à distance. On est à peu près une heure de distance. Et le problème, c'est que là, ça fait à peu près 7 mois qu'on est ensemble. Et le gars, je commence à lui parler de sujets sérieux, à savoir quel serait l'objectif plus tard par rapport à cette relation. Parce que comme c'est une relation à distance, je me dis, bah, est-ce que ça va tenir avec le temps s'il n'y a pas d'objectif concret et tout ça. Hein? Sauf que dès que je parle de ça, il commence à s'énerver. Il commence directement à s'énerver. Il me dit, oui, toi, t'as un mauvais comportement, tu parles mal. Regarde, passe dans la suite, là. Il y a un ascenseur privé. Tu descends au restaurant. Si tu continues comme ça et tout, tu trouveras personne d'autre pour être avec toi et tout. Donc, je ne comprends pas. Merci à Julie. Julie Miesi, merci pour les étoiles, les 1000 étoiles. Oui, ma chérie, c'est une relation à distance, ça sent déjà très mauvais. Donc, faut le mettre sur le côté. D'accord. Mets-le sur le côté. Il est yougos. Oui. Bon, là, permettez-moi, mes caviars, permettez-moi de faire un peu la talakou de mes caviars qui m'envoient les étoiles. Mais permettez-moi de faire les atalakou de mes caviars qui m'envoient les étoiles. Là. C'est très important. Il faut dire merci à ceux qui offrent. C'est très, très, très important. Donc, je dis un grand merci. Comment? Voilà. Je dis un grand merci à Julie Messi. Je dis un grand merci à Christine Lina. Je dis un grand merci à Grace Guam. Je dis un grand merci à Biscuit de Mai, Gina. Elle est adorable, cette fille. J'espère que tu seras à la conférence ce soir. Et si tu ne seras pas là, dis-moi, on va prendre un billet pour te donner parce que toi, tu es une vraie caviar. J'ai dit un grand merci à Françoise Messane. Mais pourquoi c'est flou comme ça et puis on ne voit pas bien? Je ne vois pas bien le nom de mes caviars qui m'ont envoyé des étoiles là. Je voulais leur faire à Talakou.
Je ne vois pas bien. Merci à vous. Merci à vous pour les étoiles. Oui, ma chérie, étoile que je dis là, ce n'est pas en chose émoticône. C'est les étoiles même qu'on envoie. Voilà, c'est là. Je dis un grand merci à Aïcha Carmen. Je dis un grand merci à Oumou Fall. Je dis un grand merci à Mira Diamant. Oh, vous êtes adorable, Kavia. Merci pour toutes ces étoiles. Vous êtes adorable. Que Dieu. Flavie Ntumba. Merci pour les étoiles. Oh mon Dieu, mes caviars sont généreux. Mes caviars sont formidables. Cassandra, merci. Géraldine Gandam, merci pour les étoiles. Vous êtes adorables, mes caviars. Je vous aime. Je vous aime. Et oui, je peux même faire votre atalakou jusqu'à demain. Mariam Kone, merci. Merci là-bas, Mariam Kone. Tu es un amour. Que Dieu te le rende au centuple. Mes caviars, mes champagnes. Je vous fais de gros bisous. Merci pour ce moment. J'ai kiffé. Thérèse Tano, merci. Odorel, merci. Oh, Janie Kadjo, ma caviar, cette femme-là, depuis le début, elle est avec moi et me soutient. Vraiment, tu es un amour, ma caviar. Merci pour les étoiles. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Et à ce soir pour le show, la soirée. Aïssata Diallo, merci. Paradis Sugar, Dads. Merci pour les étoiles. Merci que Dieu. Nadé Guess, merci pour les étoiles. Aristide Betting, Tropical, merci. Tous les cas. Blandine Kao, merci. Oh mon Dieu. En tout cas, ce soir, Janine, tu es un amour. Karine Diane, tu es un amour. À ce soir, mes caviars, pour la conférence, pour la soirée. Mireille Naounou, merci mon bébé. À ce soir pour la conférence, pour la soirée 3C, la soirée caviar du côté de Douala. Oui, ça va crépiter ce soir. Douala va trembler. Il a dit que Douala va crier wouah. Mais qui est là et puis ça tremble comme ça. Mais qui est là et puis ça sent bon comme ça. C'est la KLMP, c'est la caviar. Contactez encore l'organisation pour prendre des renseignements, pour prendre vos billets, pour tout ce que vous voulez. Au 694 14 68 31 ou le 672 46 62 24. Merci mes caviars. Ah, bisous. Que peut-ce? Merci. Mouah. Ciao.